j'adore le jeu de l'aigle. Ouais, je sais, j'arrête pas d'y jouer en ce moment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, il est trop bien le jeu, franchement. Je kiffe. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur le jeu de l'aigle. J'espère que vous en avez pas marre parce que moi franchement je suis à fond dedans. En tout cas bah merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Et ça me fait super plaisir, vraiment merci à tous. Et comme d'hab, si la petite vidéo vous plaît, un petit like, un petit commentaire ou un petit partage, ça me fait plaisir. Et oubliez pas, pour jouer sans se ruiner, il y a un petit lien dans la description, G2A. Les jeux sont pas chers. Allez, c'est parti. Donc c'est un truc de malade. Alors là c'est le mois du futur qui vous parle. Parce que à l'heure où je fais cette vidéo, je viens à peine d'uploader le deuxième épisode sur la chaîne, alors qu'en vrai je suis en train de tourner le quatrième. Et ça se trouve je suis parti pour tourner jusqu'au sixième épisode ce soir. J'en sais rien du tout, tu vois. Mais il est tellement bien ce jeu, j'adore, j'arrive pas à décrocher quoi. C'est un truc de malade. Et ouais, du coup pour le troisième épisode ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'en fait, si vous voulez, la capture de mon micro elle avait pas marché. Et je capturais avec le micro de la caméra en fait. Mais bon, vu que le micro de la caméra n'est pas totalement dégueulasse, je me suis dit que ça passait bien quand même. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, Jolat, t'es capable de faire un looping? En fait, faudrait que ma tête elle fasse un 360 pour que je puisse faire un looping, tu vois. Par contre, ce que je peux faire, on peut faire comme ça, regarde. Hop là, tu vois ce que je veux dire? Looping, tu vois? Ça marche hein, quand même hein. Allez, arrêtons de faire les imbéciles. Au boulot mon vieux. Alors écoutez, pour commencer, j'ai envie de ramasser 2-3 petites plumes là, histoire de... Oula, attendez, je vais passer là-dedans. Regardez comment que je gère. J'ai fait un tout petit peu de hors caméra, mais vraiment un tout petit peu. J'ai ramassé 2-3 plumes quoi, vite fait. Et j'ai envie de voir s'il y en a d'autres que j'aurais oublié dans le coin. Wouh, ça passe, yes. Alors attendez, il doit bien y avoir... Oh putain, je me suis mangé une biche mon vieux. Attendez, je vais prendre un petit peu de hauteur là. Je trouve plus Notre-Dame. Là-bas je crois que c'est... Non, c'est pas le Panthéon là-bas, je sais plus. Ok, Notre-Dame elle est là. Donc je voudrais bien trouver... Il me reste 4 plumes à trouver dans cette zone. Ah ça doit pas être... Ils doivent pas être loin franchement. Y a pas des petites plumes par ici? Alors attends. Non, je fais un petit peu le tour comme ça. Vite fait. Putain, c'est chiant parce que, tu vois, on peut pas tourner la tête sans tourner, justement. Ça, franchement, c'est con. Hein. Je crois que je l'avais dit dans l'épisode d'avant, mais je me répète. Ça aurait été bien qu'ils mettent genre un petit bouton, tu vois, histoire de caler l'altitude. Et puis de pouvoir tourner la tête à droite, à gauche, sans forcément avancer, tu vois. Ça, franchement, voilà. C'est pas cool. Bon, écoutez, pour les plumes, du coup, on verra plus tard. Alors, je vise toujours les 3 étoiles à chaque fois. Là-bas, c'est bloqué. Je regarde un petit peu ce que j'ai débloqué. Tac. Ok, on va faire le... Le C, il est fait? Alors, attends, il y a le B là-bas. Le C, je l'ai fait. On va tout de suite faire le défi D. Allez, c'est parti. Let's go. Je vais passer par en bas, par contre. Regardez, je vais faire un truc de fou. On va passer par là. Yes. Oh, putain, j'adore faire ça, franchement. C'est trop le kiff de faire ça quoi. C'est un truc de fou. Regardez, il y a un truc là-bas, ça passe. Ouais, yes, ça passe ici. Il est où le dé? Il est là. Allez, c'est parti. Let's go. La forêt autour de la tour Eiffel est pleine de créatures vivantes. Voyons voir quelles sont les petites bêtes qui y habitent. Inclinez la tête pour... Ok, d'accord, parfait. Ok, c'est parti. Let's go. Allez, ça commence fort. Oh, oh bah oui, tu m'étonnes, ça commence fort mon vieux. Attention, l'albatros se lance dans les ailes. Dans les ailes. L'albatros s'élance dans les airs, je veux dire. C'est... Oh putain. Ah ouais, non mais... Ça va être chaud, mon vieux. Je vais pas passer dans le courant d'air. Voilà, je vais passer là, tranquille. Waouh. Putain, comment que c'est tendu, mon vieux. Waouh. Ok, d'accord. Ok. Les choses se corsent. Putain, comment que c'est... Putain, c'est chaud. C'est... Oh putain. Ok, je l'ai loupé. Non, non. C'est un truc de fou, hein. Ça va le faire, putain, non. Wow, wow, wow. Putain, mais c'est pas possible, mon vieux. C'est impossible. We'll be right back.
3 étoiles. Oh putain. Oh comment que c'était chaud mon vieux. Laisse tomber. Wouh. Eh, j'ai essayé tellement de fois que je dois avoir gravé Oculus là sur le front. C'est un truc de malade. 54 secondes. Non, la vérité, j'ai essayé trop de fois, franchement. Fou, putain, je suis bien content. Bah, ça fait déjà une heure que je joue, on a fait un défi. C'est bien. Non, 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 je déconne. Non, ça fait pas une heure quand même. Mais franchement, putain, quoi, j'en ai chié. Le défi E là-bas. Très bien. Normalement, si je fais le défi E, il y a moyen que je débloque le secteur de la tour Eiffel. Je pense. On va faire ça. Ah, de la pêche. Pêcher dans les canaux de Paris est une opération délicate mais qui vaut la peine. Mais soyez respectueux de votre environnement, ces lieux sont sacrés pour le règne animal. Ok, d'accord. On va se faire une petite partie de pêche. L'albatros s'élance. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont où? Ils sont où? Putain, ils sont où? Ouais. J'ai pas compris. Là, c'est un truc de malade. Allez, vas-y. Fais péter ton saumon. J'en ai loupé un. J'en ai loupé un. Mais faut aller où? Ah d'accord, putain, fallait tourner, ok. Vas-y, on la retente. On la retente. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, faut aller où après? D'accord, en fait, faut pêcher un peu partout. Ok. Allez, vas-y. Putain, ils sont où les poissons? Où est-ce qu'ils sont les poissons? C'est mort. C'est mort, c'est mort. Il m'en reste 6 à attraper. C'est mort. Allez, vas-y, let's go, c'est parti. On va t'attraper ça bien comme il faut. Ok. 2 d'un coup. Allez, la suite, la suite. Viens ici. La suite encore. Viens ici. Tac, tac, tac. Ok. Allez, plus qu'un. Il est où? Yes! 3 étoiles, allez! Oh yes! Putain, comment que c'est chaud, mon vieux! Ils deviennent super tendus, les défis! Hein. C'est un truc de malade! Allez, je pense qu'il reste un défi pour débloquer la tour Eiffel! Je pense, hein! La parade nuptiale de l'aigle est un magnifique ballet aérien. Ok. Vous allez devoir vous surpasser pour impressionner votre partenaire. Pas de soucis. D'accord! Vas-y, fais péter. Je vais faire la parade nuptiale, t'inquiète mon vieux. Tu veux que je te fasse la parade nuptiale? On va te faire la parade nuptiale. Ouh, regarde, elle parade plutôt bien, hein. T'inquiète, moi je prends tous les petits points verts. Ça rajoute des boosts supplémentaires. Oh putain mon vieux, comment que c'est chaud. Wouh. C'est tendu, hein. Attends, c'est quoi le but? C'est que je la rattrape ou... Merde, j'en ai loupé un. C'est peut-être pas trop grave. Allez, vas-y. À mon avis, j'ai eu une pénalité quand j'en ai oublié un. Merde. Merde. Ok, je pense que maintenant ça va le faire. Il fallait juste que je me mette debout. C'est parti. Allez, vas-y. Tu veux faire la parade nuptiale? On va faire la parade nuptiale. T'inquiète. Vas-y, fais péter la parade nuptiale. Ok. Je pense que je serai plus apte à tourner sur moi-même comme ça. Yes. Wouh. Non. J'en ai loupé un. J'en ai loupé un. Je pense que j'ai eu une pénalité. C'est pas trop grave. Oh putain. Oh putain. Ok. Vas-y. Allez. Il me faut du boost là. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez. Allez, on va aller chercher ces 3 étoiles. Yes. J'ai eu mes 3 étoiles.
J'ai eu mes 3 étoiles. Ah voilà. Là d'accord. Là on est d'accord. Ok. Ah comment c'est chaud franchement. C'est un truc de malade hein. Bon, j'ai débloqué quelque chose au moins là. Chapitre 3, l'union fait la force. Ah bah voilà, c'est cool. Putain, Paris sous le brouillard mon vieux. Ce délire. Qu'est-ce que j'ai gagné? Tour Eiffel, je l'ai encore pas débloqué. Il y a du brouillard hein. Eh ben mon vieux. Hop là. Tiens, on va passer un petit peu dans la brume par ici. Voilà. Allez hop. Ça passe. Oh, une petite plume. Je prends. Elle a pas compté. Super. Et celle-là, elle compte? Ok, d'accord. Ils comptent pas les plumes que je ramasse. Ouh, c'est quoi ici? Tour Eiffel. Ah bah ouais, faut que je débloque la Tour Eiffel. Ça sert à rien que je ramasse les plumes ici. Regardez ça, on voit plus rien avec le brouillard. C'est un truc de fou. Attendez, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc de malade. Oh, ça va. On va longer la Tour Eiffel. C'est parti. Ouh, il y a un poisson. Ouh, il y a un poisson. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, je crois bien. Oh putain. Attention, vous êtes prêts? Je vais tenter une figure. Faut pas avoir le torticolis pour faire ça. Ok, c'est parti. Oh, il y avait une pub. Ah non, je peux pas y aller parce qu'il y a des faucons qui protègent la zone. Putain, ils sont chiants ces faucons là. Bon, très bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Eagle Flight. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Et franchement, les défis ils deviennent de plus en plus chauds, ça va être un truc de fou. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que là tout de suite, je vais aller essayer le multi et ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye.